Aïe. Bonsoir, monsieur. Aïe, 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 aïe. Aïe, Tenez, aïe. monsieur, tenez. Je suis Aïe, sincèrement désolé, je vous aïe, en jure. plus, il marche dessus. Eh non, je ne marche pas dessus. Mais monsieur, Si, vous êtes aïe, là. aïe. Vous êtes là. Vous êtes imbrave. Vous êtes Aïe. apparu du ciel. Vous êtes apparu du ciel, Oui, vous je êtes là. sais, je sais. Tenez, je vous relève. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Par contre, il faut descendre mon épaule maintenant, sinon moi je cours. Hein. Lâchez-moi parce que là, vous me touchez le cul, c'est bizarre. C'est. Et je vous Non, kidnappe, je rigole, monsieur, je là. rigole, je rigole, je rigole, je Non, rigole, je rigole. descendez, monsieur, descendez. Je descends. Monsieur, je suis actu... Ah, ça va mieux. J'ai Ouf. actuellement une bombe, personne ne bouge. Ah bon? Je bouge plus, regardez. De toute façon, je peux pas, Nous j'ai les genoux sommes... pétés. Je la fais exploser si vous rangez pas votre arme. Nous sommes dans le cartel d'Alcatraz. Quoi? Enfin, monsieur, je vous dis, J'ai vous allez rien J'ai décamber rien directement. dit. On va Si tu bégayer, veux, il y a monsieur. une bombe. Vous allez bouger. Monsieur, il faut ranger les armes. Nous tiens Allez. la désarme. Oui, non à la Montez, on violence. monte. Non, non à la Ah, violence. non, la violence! Lâche-moi Bombez dans aller. votre charrette. Allez hop. Bah, dans J'arrête. votre charrette, elle vous pulvérise. Oui, mais j'ai vu qu'elle m'a. Oui, elle m'a bien pulvérisé votre charrette. Oui, ça Allez, c'est. monsieur. Et bonjour. 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 Quel matricule? 15. Et 13. Ah, c'est vous, 13? Ouais, c'est moi. Non, c'est moi, je vous ai contacté avec votre email. Oui, je m'en rappelle, ouais, je me doutais que c'était pour ça. Je reviens, hein, j'ai un petit truc à faire, j'arrive. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Les deux messieurs sont sortis ou pas? C'est les deux messieurs qui étaient avec moi. Je sais pas. 71, celui qui était au moins un super fini quoi. Oui. Je peux venir moi aussi ou Mettez-vous sur pas? votre bureau. Oui, dans 10 minutes s'il vous plaît, parce que là je suis occupé, quelqu'un. Pas de soucis. Je savais si vous voulez voir en plus. Ah. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir monsieur, vous allez bien? Oui, vous? Non monsieur, vous allez bien? Très bien, très bien. Ah, n'entends pas. 13. Ah, Ah bon? Ah, oui, je me rapproche. exactement. J'arrive. C'est moi en fait, j'ai associé mon bureau, je sais quoi. L'autre D'accord. pas, genre. Donc, du coup, attendez, je vais mon masque. Vous avez le Covid? Non, mais moi bon, j'ai un masque. Du coup, j'ai un problème avec tous les deux. Apparemment, hier soir, vous aurez fait un vice de procédure, voire deux, après. Hein? Mais du coup, au moins un. Au moins un. Du coup, c'est un avocat qui me l'a remonté. Et du coup, il m'a bien dit que c'était vous, hein, parce que le. La seule chose, du coup, il n'y en a qu'un dans la suite, malheureusement c'est en 15. Une personne qui est comme ça, blond, Non que toi mais là, aussi. c'est Donc, pas du coup qu'on a malheureusement, fait ça peut être que de... vous, quoi, voilà. Oui, je m'en souviens du vice de procédure. Est-ce que vous savez que devant une licorne, vous avez le droit d'arrêter quelqu'un? Vous savez ou J'ai pas? raté personne devant les cornes hier. Non. C'est pas ce qu'on me raconte, malheureusement. C'est pas ce qu'on me dit. Une licorne, pour info, c'est considéré comme un lieu privé, en fait. Donc, vous devez Bah demander l'autorisation au patron. ça je savais le commandant, mais on n'a arrêté personne devant les licornes hier. Non. Bah, en tout cas, du coup, c'est un avocat qui me raconte ça, donc voilà. Ouais, vous savez, les avocats, c'est des gens véreux, ils sont prêts à tout pour de l'argent. Il me remonte ça, donc du coup je Ouais. ne prends pas pour qu'il remonte ça sur vous, surtout qu'en plus j'ai confiance en vous. Hein. On m'a dit aussi autre chose aussi, sur un autre suspect, par contre, celui-là par contre, je peux pas vous dire son nom et prénom parce que c'est privé. Apparemment, vous ne lui aurez pas laissé. Enfin, je sais pas si mais en tout cas, si on m'a dit, que apparemment, vous lui aurez dit qu'il n'a pas le droit à ses droits, alors qu'il devait demander avocat, nourriture ainsi que EMS. Oui, Et il apparemment. voulait un avocat, mais il n'y en avait pas. D'accord, ben, Voilà. en tout cas c'est pas ce qu'on m'a dit. En tout cas, on m'a dit que c'est interdit pour l'avocat, interdit pour les hommes, interdit pour les Non, nourritures. non, non, on n'a pas dit interdit. Non, Et il y a rien eu de ça, et commandant hier. apparemment, et aussi apparemment, ce casier n'a pas été fait. Non, j'ai pas fait de C'est ce qu'on m'a casier dit. parce que c'est une infraction routière. D'accord, bon. Alors, on est allé à C'est une infraction routière, l'hôpital. pas de plein En d'emplois, fait, plein d'emplois. il est allé à l'hôpital, il a eu les soins de MS qui ont duré un quart d'heure. Oui. On l'a emmené au PDP.
Il a eu encore des soins, des EMS sur le parking. Vraiment, c'était un pénible. Et Ok. après, on lui a lu, j'ai lu moi-même ses droits Miranda. Et il a demandé un avocat et il n'y en avait pas. Donc je lui ai dit, ben, je vous mets en cellule le temps qu'un avocat arrive. Donc on l'a laissé une vingtaine de minutes et on est allé le rechercher. On lui a dit, vous voulez toujours voir votre avocat parce qu'il n'y en a pas. Il m'a dit, non, c'est bon et on l'a relâché. Voilà. Il y a D'accord. même 88 qui était là pour confirmer. Ouais, il y avait Du coup, c'était quoi le 88 avec délit? nous. C'est quoi Infraction ce que tu m'as dit? routière. Oui, mais quoi comme infraction routière? Avec cette vitesse et C'est demi-tour, hein, je vitesse. sais plus. Enfin, il faisait le con, quoi, en ville. Mais pour ça, pas la peine de faire une procédure pour ça aussi. Bah, ça Tu servait lui à mets rien de faire un. Bah oui, mais comme il voulait à tout une prix amende, tu lui mets une des. amende et Oui, mais comme il voulait à tout prix voir un avocat. Ah, ok, d'accord. Bon, ok. Bon, en Voilà. tout cas, voilà. Sachez que du coup j'ai un avocat qui me remonte ça, du coup plusieurs mises de Oui, procédure, je sais pas mais si c'est bon. fondé ou pas, Vous les mais en tout connaissez, cas les avocats, sachez que hein. c'est moi qui responds pas, en tout cas donc ça. Parce que c'est moi qui suis responsable de vous. Donc s'il y a une connerie de faite, du coup c'est moi qui ramasse. Vous comprenez? Oui, Ouais, mais bah on comprend bien, on comprend. je comprends, Donc commandant, mais il faut voilà. pas écouter les avocats. Le juge ou le capitaine, d'accord, mais un avocat. Mais Parce moi, que le j'aimerais juge bien n'est pas non rencontrer cet plus. avocat-là. Monsieur Smith. Bonsoir. Rebonsoir. Donc, je Bonsoir. vous présente Bonsoir. 15 ainsi que 13, donc les deux agents que vous m'avez parlé. On va pouvoir faire une confrontation tous les trois. 4, pardon. Bah, nickel. Venez. On a autre chose aussi à voir avec vous. D'accord. 15, c'est quoi cette démarche? Je suis énervé. On dirait que t'as appris un dans le. Sans commentaire. Allez. Entrez, messieurs. Allez-y, bah, du coup, bah, je voulais gérer avec lui, hein. Y'a pas de soucis. Allez-y. Donc, le commandant nous a relaté des faits au sujet d'une vis de procédure. On voulait en savoir plus. On voulait vous voir directement à ce sujet. Alors, donc je suis. Donc hier, vous êtes passé au Unicorn pour arrêter quelqu'un qui était ivre. Vous le confirmez, un monsieur avec des redlocks et qui était un peu éméché. Donc ça, déjà de 1, ça, vous êtes sur un parking privé, vous n'arrêtez pas une personne si le patron n'est pas, ne vous donne pas l'autorisation. D'accord? Ça, on est au courant, mais Voilà. hier, on a arrêté personne sur un parking. On est juste intervenu Bah, vous parce qu'il y avait une l'avez. personne. Attendez, laissez-moi finir, monsieur. On est intervenu, il y avait une personne qui était attachée et avec un sac sur la tête. Non, Hier. je parle pas de ça. Je parle d'un monsieur avec un avec un veste en dessous d'un veste de costume rouge. Et qui Non. était menotté. On n'a pas Non, c'est pas nous. Ah, Interpellé. c'était pas vous. Vous êtes venu chercher les deux agents qui étaient en train de faire ça. Le problème, c'est que j'ai pas leur matricule. Peut-être, mais nous, on a Peut-être, arrêté mais personne à hier. l'unicornia. En fait, on a extirpé, ben je vous dis, je vous raconte, on a extirpé une personne qui s'est fait agresser devant l'unicorne, qu'on a retrouvé avec un sac sur la tête. On a parlementé avec les deux parties pour calmer les choses. Les choses se sont à peu près calmées. Après, ben, ça s'est réchauffé. Donc, en fait, on a monté la personne qui avait été agressée dans notre véhicule pour l'éloigner d'une zone de danger et on l'a déposée au PC. Voilà vraiment l'intervention police qu'on a fait à l'unicorne. Et Non, c'était sous le je confirme consentement du qu'il patron de l'unicorne. Oui, non, ça, c'est pas cela. Je parle juste avant. Vous avez menotté quelqu'un qui après a fui parce qu'il voulait pas se faire arrêter sur le parking. Oui, pour outrage à un agent, oui. On n'a pas Outrage à l'habitude de agent. se laisser insulter. Oui, bah, le problème, c'est que c'est même si vous outre, même s'il fait un outrage, c'est un parking privé, messieurs. Vous n'avez Zone pas le privée ou choix. pas zone privée, en cas d'insulte, on arrête. Et ça, Le vous me problème, ferez c'est que pas le patron n'était pas d'accord. déroger de ça. Le patron n'était pas d'accord. Oui, patron Il a juste d'accord ou pas interpellé. d'accord, mais des insultes envers les speedy, désolé, pour notre crédibilité en ville, on ne peut pas laisser passer. D'accord. Après, bien sûr, il ne faut pas non plus qu'ils prennent la fuite aussi, en se mettant là aussi, en sautant. Sécurité, quoi. Oui, c'est pas comme un quartier, quoi. Vous En plus, comprenez? c'était le menotté pour le calmer, on n'avait aucune envie de l'arrêter. On n'aurait pas arrêté, mais c'était pour le calmer. Il Ah devenait bah, agressif. lui. Il Ah devenait bah, je vous agressif pour confirme que moi, lui, on a. pour nous Bah, moi, et mes pour les clients m'ont personnes qui dit étaient sur place. que les agents qui l'ont mis en menottes voulaient l'arrêter. L'arrêter. Oui, les clients qui étaient alcoolisés fortement. Vous savez, là, le discernement, quand vous avez quelques pina coladas dans le ventre. Et en plus, en sachant que monsieur voulait reprendre le véhicule, en plus.
Oui, en plus, Enfin, si vous voulez reconduire, c'est pas donc. le plus, je vous avoue que c'est pas le plus important de ça. Ça, c'est le monsieur Parfait. n'a pas porté plainte. C'était pas pour ça que je suis venu de base, hein. Oui, mais bon, monsieur, Oui. si on a fait ça, c'est aussi si on laisse ce monsieur prendre le véhicule alcoolisé, Qu'il il écrase y a quand même quelqu'un. un minimum de danger quand même, quoi. Ça, le monsieur que vous avez arrêté, qui a failli se faire arrêter, je sais pas, n'a pas voulu faire suite à cette affaire, donc Non, ben oui, c'est bien juste sûr, pour. parce que tous les torts étaient pour lui, donc j'imagine bien qu'il n'a pas voulu donner suite. Oui. Par Bon, contre, voilà, bon, Monsieur ça. Ali, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit Ok. là. D'accord. Donc alors, je donc mon client m'a dit qu'il était blessé, il avait dû aller à l'hôpital, Oui, il est allé à l'hôpital. et que les médecins avaient dit qu'il devait rester à l'hôpital le temps de ses soins, et que les agents qui l'ont arrêté ont forcé les médecins et ont signé des papiers qu'ils n'avaient pas à signer pour que mon client sorte de l'hôpital et qu'il aille en cellule. Oui, Bah donc on ça, a dû. écoutez-moi, attends 13, attends, c'est ouais, le médecin qui est venu me voir pour ça. Le médecin est venu me voir et le médecin m'a dit, vous pouvez l'emmener. Dans le coup, on a procédé à son arrestation, on arrive au commissariat, on lui a dit c'est droit Miranda, on a tout fait. Et on a Enfin. fait venir les EMS dans le commissariat parce qu'il se Et plaignait même les encore à la EMS sont tête. venus, oui. Après, on n'est pas médecin, monsieur, hein. Je pense qu'on l'a emmené deux fois, une fois à l'hôpital et on a fait venir les EMS au commissariat. Je pense qu'il a eu tous les soins dont il avait besoin. D'accord. Autre chose, il m'a dit qu'il avait demandé un avocat et je n'ai pas reçu d'appel. Comment Alors, j'étais sûrement pas là, peut-être? pour l'avocat, donc on a appelé, il n'y avait aucun avocat disponible. D'accord. Donc, avec son autorisation, ce qu'on a fait, on n'a mis aucune amende, on l'a mis en cellule en attendant qu'un avocat soit disponible. Au bout de 15 minutes, aucun avocat n'était toujours pas là, nous sommes retournés le voir et nous lui avons proposé d'attendre un petit peu plus si un avocat arrivait ou s'il voulait qu'on le libère. Parce que c'était pas une infraction, c'est une infraction routière, donc il n'y avait pas D'accord. de quoi, vous voyez, c'était pas l'affaire du siècle. Donc D'accord. il a choisi de lui-même de ne pas avoir d'avocat et d'être lâché. D'accord. Bon, bah Voilà. c'est lui. Et de plus, il avait aussi demandé nourriture et personne ne lui a donné aussi. Si, je lui ai Ça, donné une nourriture, il lui a donné je lui de ai la dit que s'il nourriture. voulait des pizzas, il les a refusées, il m'a dit qu'il n'aimait pas. Qu'est-ce qu'il me raconte alors cet abruti? De toute façon, On a les on caméras du a commissariat les qui peuvent caméras du étayer nous dire, commissariat et hein. nos GoPros qu'on a sur nous. Voilà. D'accord. De toute façon. On vous raccompagne? C'est bon, on en a fini ou... Oui, c'est bon, c'est fini. Allez, je vous raccompagne. On se voit là, je reviens. Je vais peut-être faire passer le message à la Alors. radio pour la réunion ce soir. Ah, elle a classé la camping. Ah, on m'a cassé les couilles d'en partir, mon Ouais, copain. Maman, la classe de tes mœurs, je t'avais dit, t'es pourri, camping. La poignée m'est restée dans les mains, mais bon. Lève les mains, toi. Lève les mains. Lève les mains, toi. Écoute-moi. Lève les mains. Bouge pas. Bouge pas de là. Cours, dépêche-toi avant que ton pote il arrive là, sinon je te démarre. Dépêche-toi là. Bouge, dépêche-toi, dépêche-toi. Je suis en tongue. On l'emmène où? Appelle ton pote. J'ai pas son numéro. T'as pas son numéro, tu traînes Non. avec lui. Bah ouais, je l'ai rencontré à la gare. Je vais le Soit tu chercher. me donnes le numéro de ton pote tout de suite maintenant. Soit tu me donnes 10 000 maintenant tout de suite. Mais je les ai pas, les 10 000 sans moi. Et là on fait comment du coup? Bah, je sais pas. J'ai pas son numéro, j'ai pas 10 000. J'ai 1 500 10 000. si tu veux. T'as 1 500. La moitié de ce que j'ai. Démenote-le. Essaye pas de faire une action bizarre. Vous voulez que je fasse quoi? Je Essaye. suis en short et en tongue. À qui je les donne? Non, je m'en bats les couilles, moi. Je veux juste que tu donnes 2 000 balles. Je m'en fous à qui tu les donnes. Donne-les tout le cours. J'ai pas le Vas-y, j'ai temps, moi. déposé là. Et un peu plus. Si tu veux que je cache, regarde quand je suis habillé. Ça va, 13? Ah, tranquille. Je Vas-y, rigole. accompagne-le. Je le ramène où?
Vas-y. Ramenez-moi mon camping-car, assuré, sinon je vais attraper. J'étais coopératif quand même, non? Ouais, ouais, tranquille, tranquille. Non, mais nous. Ah, laissez-moi là, laissez-moi là. Je te laisse là, pas plus. Jamais si tu fais des trucs bizarres. Allez, bisous. Psst. Ouais, j'ai l'équipement au top. Ah, nickel, nickel. Le mec, il va me casser les couilles, honnêtement, je tire ce coup-ci. Et ton braquet où? Devant le magasin, t'as pas dû le voir, t'étais descendu dans le... Ah merde! Et doucement, le camping-car, il est tout neuf, copain. Pourquoi ça tire, tire? J'intimide les gens. Vous tirez exprès pour quelque chose ou... Il y a des personnes en bleu, il y a des personnes en bleu. Ça passe pas. Où ça exactement? Ah, j'ai cassé le feu sur le camping, on revient. Ah, on ira chercher un à la casse. Négatif, c'est une EMS. C'est des flips. Voilà, oh, camping, toi. Maman, la classe était mort, il y a beaucoup. Tu as tué tout le monde. Merde. Ah, ils ont cassé la camping, mon copain. Mama. Y'a même pas un guignol de mécano. Tellement qu'il est beau le camping, on va le mettre là, rien. J'appelle le Bénis. Allô le Bénis. Allô, ouais, je peux t'aider? Ouais, on a besoin d'une custom là pour notre voiture import. Ah, j'arrive, t'es où? T'es au mécano là? On arrive, mais attention, c'est un bolide, hein. Prépare-toi, hein. T'es pas prêt, je crois. Ça va, j'arrive. Allez. Salut mon copain. Ah, salut les gars. Tu vas bien? Ça va, vous? Bonsoir, je peux vous aider? On a appelé là. Pour notre bolide. Ouais, c'est moi qui ai répondu. Sale bolide. Ouais. Ok, dites-moi, vous voulez faire quoi dessus? Le bolide. Bah tout modifié, mais un moteur tout. Tout, tout. Tu veux mettre un stage 3? Ouais, stage 3 sur le camping, ouais. Et on veut une vraie couleur de bonhomme, tu vois, un rose. Un rose pétant, tu as vu, une couleur de bonhomme. Ça va, c'est petit ton jouet. Quoi? Voilà, ça c'est énorme. Ok. Ok, j'ai rien dit. Ok. Si tu veux, je t'en montre une deuxième, mais attends, attends. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens, mon titi, alors. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une arme. C'est un laser, hein? Non, c'est pas laser, oui. On dirait. Quoi que t'as comme arme, toi? Ok, je m'arrange, je m'arrange. Viens voir pour la couleur, mon ami. Un petit rose, une couleur de bonhomme, quoi. Allez, mon copain. Une couleur de beau gosse, quoi. Mets-nous la peinture, mon copain. C'est quoi comme couleur? Un rose pétant, mon copain. Un rose beau gosse, une couleur de bonhomme, quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, maman, rien. Ah, putain, il est beau. Non, non. 69 pour 64. Et Jean Talu?
Ah, voilà. Ah, c'est magnifique. 104, on a eu un petit souci à la plage. Tinté. Non, 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 pas les tinté. Ah, si, les tinté, mon. C'est. Et pour les filles, pour les filles, elles vont pas nous voir. Bah, c'est pas grave, t'inquiète. On attend la compagnie de compagnie. T'es sûr? Ok. Ah, il est pas beau gosse le camping? Ouais, il est moche. Non, non. Quoi? Ouais, il est moche. Comment ça, il est moche? Il est moche! Il est magnifique! Maman, il est beau le camping, t'es malade, mon copain? Ah, faites des bagages. Ah, tu peux mettre des bagages. Ah, c'est pas grave. Tu peux pas mettre des petites jantes, mon ami? Petites jantes à lui, t'as vu? Des jantes. Ouais, pour souligner son design. Dis-moi, la facture, on peut la payer en 85 fois? C'est une fois, poteau. Ah oui? Ah merde. Ouais, c'est plus dangereux, non? Ça va, on a fait de la faille ce mois-là. Ça va. Ah, tu peux venir, je te mets la facture. Ouais, c'est vrai qu'on a fait de la ferraille, mon copain. Ah, ça va le faire. Tu mets la facture avec qui? Oh, c'est beau là-haut, il y a des pièces. C'est pour ouais, ouais. C'est qui fait la facture? À moi. Vas-y, après moi. On les voit pas les vite teintés. Eh, monte pas sur la carrosse toute neuve, toi. T'as reçu? Les gars, la vitesse, il n'y a pas sur les... C'est cher! Ok, y'a pas de soucis. Ah, c'est cher! T'as tout mis, t'as mis du surbois et tout, mais là, elle va arracher la voiture. On a pas combien? 17. Mais tu sais qu'avec ça, on gratte une RS6 en marche arrière? Tu le sais, ça? Pour un 10-10, je reviens peut-être tout à l'heure. Oh, c'est bon. C'est bon, la facture, j'ai payé, t'es. Ouais, c'est bon, tu vois. Heureusement, on a fait beaucoup de ferraille en ce moment, t'as vu? Ah, merci, monsieur. Allez, les copains. Bonne soirée. C'est ça qu'il faut quitter dans la voiture là. Derrière, il faut quitter. Hein. Un qui conduit, un qui quitte. Après, ça change. Ah, t'inquiète. T'inquiète pas, si tu savais toutes les gonzesses qui sont passées derrière, très jaloux. Allez, fais mon copain, on se casse. Voilà. C'est ça qu'on veut. Ah, quoique, ça avance un peu mieux quand même. Si, ça avance mieux, tu rigoles. 90. Ah, à remonter, il a du mal. Wow. Oh. Maman et mon copain, il a fait une gueule camping, lui. Parce que moi, genre, quand j'étais illégal, genre, jamais vous m'avez attrapé, jamais vous m'avez trouvé, etc. Et salut. Salut. Salut, ça va ? Ouais, faites quoi de beau ? On attend 64. Ah bon? Ouais. Mais je l'avais pas vu chez moi sur le côté. Une bonne fumée de gasoil. Ah, c'est bon. Ah. Ah, c'est trop bon. Excuse-moi, je prends ma tête. Elle est bien là, hein, faut que tu parles du coup. Ah, j'arrive même pas à poser un mot, je te jure. Il est resté sans voir. C'est clair. C'est quoi ce taré? T'as ton même pas reconnu? Mais non, il est devenu. Oh la vache.